qu'est-ce que je vois en ce moment, ça représente beaucoup. Il y a plusieurs jeunes qui jouent au basketball qui auraient voulu être où je suis en ce moment. Il y a même des profs qui m'ont dit que je vais pas réussir à aller nulle part. Puis là maintenant, le fait que je suis ici, j'ai juste été capable de prouver à tout le monde que je travaille fort, puis il n'y a personne qui peut m'arrêter, genre. Au début, quand j'ai commencé à jouer au basket, la NBA, c'était vraiment pas dans ma tête, là. Moi, dans ma tête, c'était vraiment jouer et pas avoir du fun. Quand j'ai commencé à réaliser que j'avais une chance, c'est devenu un de mes buts puis un de mes rêves aussi. C'est vraiment là que j'ai commencé à arriver à ça, que j'ai une chance d'un jeune de Montréal-Nord à la NBA. Wow! J'ai 27 universités qui m'ont donné des bourses complètes pour aller jouer à leur école. Puis à la fin, j'ai dû couper ma liste à 6. Lugans a été recruté par des grandes universités. Ce qui fait qu'il a choisi Arizona State, c'est vrai. Tout d'abord, c'est leur style de jeu qui reflète beaucoup comment Lugans joue. Les porteurs de ballon sont très libres et Lugans, c'est son style. À Arizona State, je vais aller m'entraîner avec Bobby Hurley et le head coach et l'assistant coach Anthony Coleman. When I was recruiting Lou, there are certain players you see and you might say, hey, this guy might be under the radar. I think that we could get involved and then maybe we could steal this guy before anyone realizes he's good enough. Well, I mean, with Lou, that's not the case. I mean, it was crystal clear to everybody that this guy is gifted and talented, and we knew we would have a lot of competition to bring him here to Tempe. It's a good thing you got him. Oh, yeah. L'entraîneur-chef qui est Bobby Hurley, qui est un ancien joueur qui vient de l'université de Duke, qui a joué à Duke pour un grand coach. Fait que ils ont réussi à créer une bonne relation avec Lugans. Ils sont venus à Montréal le voir à 2-3 reprises, ils ont été voir ses parents. Quand je suis venu à ma visite, je suis avec Nelson, puis on était là pour une fin de semaine, ça dure une fin de semaine, puis il paye tout, il paye l'hôtel, la nourriture, puis il nous montre le campus, les classes où on joue au basket, puis les trucs qui sont à côté, comme là, on est allé à Phoenix, puis on est allé visiter un petit peu Phoenix, puis là, tout ce qu'ils nous ont montré ici qui m'a donné envie de venir ici. The first time I saw Lou, he came here on a visit. The first impression was his size. You know, you don't see freshmen built like that. So that was my first impression of him, is that, wow, most kids his age have to come into the program in college and have to work out a little bit to get to that size. He already had the size. I mean, so he was built like an NBA player, professional player. Avant que je parte aux États-Unis, sur mon secondaire 3, c'est vraiment là que j'ai réalisé que là, j'ai une chance. Le fait que j'allais souvent aux États-Unis l'été avec mon équipe de Montréal pour les tournois, c'est vraiment là qu'il y avait des coachs puis il y avait des recruteurs qui étaient là puis qui nous regardaient jouer. Puis c'est vraiment là que dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai une chance. Years ago, really, I saw Lugans for the first time in AAU events. It was probably prior to his junior year of high school, so it was very early, but saw all the potential. I met Lugans at that actual event, and I watched him play. I mean, this guy has a body. He's young now. He has a body so sculpted by guys. I'm like, wait a minute, hold on. It's very easy to see. He's a physical specimen, and he's very gifted athletically. And, you know, he could get off his feet, and he's powerful. But I was more attracted to his mind and his attitude and his intensity and how hard he played and competed. You could tell that, you know, winning was very important to him, and trying to dominate the game was very important to him. Don't sleep on it. Oh! Je me rappelle le premier contact que Lugans a eu avec l'entraîneur-chef. Ça n'a pas été « Lugans, je t'envoie à la NBA ». Ça a plutôt été quelqu'un qui était direct pour dire à Lugans « Voici ce que je vois en toi, voici ce que je pense que tu as amélioré pour te rendre là ». Je pense que c'est ce que Lugans aime entendre, c'est ce qui a fait pencher la balance. Ça a vraiment été, écoute,
t'es rendu là, voici ce que je peux faire pour polir le produit. Puis arrivé là, si ça va bien, tu as du succès à la NBA. Puis, je pense que c'est ce qui fait qu'il a choisi Arizona State. Well, you have to understand a little bit about the history of Arizona State basketball. It's not great. You know, we're sitting in the arena right now, and there's not championship banners hanging outside or inside the gym. It's a program that's just been kind of hit and miss, you know, peaks, valleys. So they're building something here. Bobby Hurley has done a good job. This is his fourth year. He's built up a lot of excitement. Especially last year. He just kind of brings this an intensity that the program has lacked. I mean, just getting a recruit like that, it just hasn't happened much. Le fait que je suis le meilleur recrut depuis, le meilleur guard recruit depuis James Harden, j'ai beaucoup de pression à cause de ça, à cause que le monde s'attend vraiment à beaucoup de moi, genre. The big thing is just the mysterious element around him. It is that people I think are, there's a curiosity around him. I was just over at football practice and someone around the program just came up to me and instead of asking me what was going on the football field, he asked me about Lou. So, I mean, he said, how'd he look last night? How good was he? You know, is he the real deal? Un jeune qui est classé 5 étoiles par ESPN, c'est quasiment un espoir de la NBA. C'est les top 20. Les top 20 sont classés 5 étoiles. Le fait que je suis une recrue 5 étoiles, le monde ici s'attend vraiment que je joue bien, avec toute la pression que j'ai. J'arrive ici avec une grosse confiance que je suis prêt, que j'ai travaillé assez fort pour ça depuis longtemps. J'ai hâte de jouer devant tout le monde et de leur montrer que je suis that guy. En ce moment, on est au Parc Saint-Laurent, à Montréal-Nord. Puis c'est vraiment là que tout a commencé pour moi, où je venais quasiment chaque soir après l'école pour jouer et m'amuser avec mes amis. Don't judge a book before you read the pages. My whole life I've been underestimated. Do it on our own, we don't need no favors. Mama always told me I could be the greatest. Don't judge a book before you read the pages. My whole life I've been underestimated. Do it on our own, we don't need no favors. Au début, Lian ne savait pas jouer parce qu'il est rentré dans le gymnase. C'est un jeune qui voulait apprendre. Il était vraiment à l'écoute, il voulait apprendre. Et il a commencé vraiment, vraiment du bal. Mais il était très compétitif. Il a passé le test du joueur de basket. Grand, gros et costaud qui veut compétitionner. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Nelson aussi a vraiment été un mentor pour moi. C'est vraiment lui qui m'a aidé depuis que je suis tout jeune. C'est vraiment lui qui m'a guidé quand même. De l'école, en dehors de l'école, sur le terrain de basket, toutes les petites choses que j'avais besoin de faire pour être meilleur au basketball, puis dans la vie en général. Le talent de Liggins, on l'a vu se développer à la deuxième année. Il est retourné des vacances, puis a grandi de 2 ou 3 pouces. Donc, déjà là, nécessairement, il s'est amélioré. Il avait passé beaucoup de temps dans le gymnase. J'ai demandé à quel point tu aimais le basket. Il m'a dit oui, je prends ça au sérieux, nécessairement. Puis je lui ai dit écoute, ça prend des sacrifices. Quand il a commencé à rentrer dans mon parcours scolaire et puis voir comment je faisais à l'école, il a vu que ça allait pas vraiment bien des fois. So, il a dû me suspendre souvent pour ça, pas de basket, seulement les études. Puis il m'a inscrit à l'aide aux devoirs. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer mes cours avant que je parte aux États-Unis. C'est pas un jeune qui a abandonné. T'sais, en tant que tel, c'est il a été suspendu des fois pour des semaines, plusieurs matchs. Et on l'a toujours vu dans le gymnase. Il a pas abandonné, fait qu'il est resté là, fait que. Pour moi, c'est une qualité. C'est pas un lâcheur. C'est quand même important le message que j'envoie aux plus jeunes parce que quand j'étais jeune, l'école c'était quand même un peu difficile pour moi. So, maintenant qu'ils peuvent me poser des questions, puis je peux leur dire comment c'est vraiment important de s'entraîner fort, premièrement, et puis d'aller à l'école. À Montréal-Nord, on sait tous que c'est pas facile. Puis quand j'ai grandi, j'avais beaucoup d'amis qui allaient avec moi à Calix-la-Vallée. Puis j'étais vraiment proche. Puis ils ont pris une mauvaise direction. Puis maintenant, ils ont eu des problèmes dans la rue. Puis il y en a même qui sont allés en prison, puis des trucs comme ça. Je peux dire que oui, le basket m'a servi de ça parce que j'ai vu plusieurs jeunes qui étaient bons au basket, qui jouaient avec moi, que maintenant, je peux même pas dire que c'est mes amis à cause avec quoi qu'ils sont devenus maintenant.
Je suis arrivé ici durant l'été, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à parler à tous mes coéquipiers, j'ai commencé à les connaître. J'ai commencé à faire des cours d'été aussi pour avoir des crédits. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. On a commencé à avoir beaucoup de pratiques, on s'entraînait fort, puis on se préparait pour la saison. Going to love, folks. Lou Dort. This is a brand new name. He's a Canadian. Pour mon premier match officiel de la NCAA, je pense que je vais être un peu stressé maintenant dans ma tête. Je suis assez confiant pour dire que le monde ne va pas être déçu. Puis je travaille assez fort. Puis je pense pas que le monde va être déçu de me voir jouer. Enfin, le 6 novembre, on va regarder le premier match de Lugans dans la NCAA. Ça se passe en famille à Montréal Nord, chez la mère de Lugans. C'est Lou. To the bucket. That's gotta feel good. Dort. Behind the back. Uh-oh! He's on campus now. Notre objectif cette année, c'est de gagner la conférence en premier et aller faire le tournoi le March Madness, puis aller le plus loin possible, qui veut dire gagner le championship. Dort! Wow! Lou! Just believing in his size and his presence and his strength, and he'll go to the line. He's the kind of guy that really could take over a game and stretches just because of his, you know, his physical talent and his drive. He's a very driven, determined kid. Dort, those feet go to work. He just eyes the bucket and takes advantage. We're going to do the best job we can to put him in a great position to succeed. And, you know, he's got other players around him that he could use to make our entire team function well. And if we play together, I think there's a really good chance that we could play in March. How about some help? How about some help? One word, beast. The thing that Lou really brings to the table here is his drive and determination and selflessness. Yo, did beast mode activated. Vous êtes nerveux, vous regardez tout le match? Ben oui, on a tout vu. C'était chaud, hein? Finalement, t'as sorti ton gant, hein? Depuis son premier match le 6 novembre, Lugans a continué à s'illustrer. Un match important à Las Vegas, il a enregistré 33 points pour son équipe. Lugans a continué encore à démontrer aux Américains qu'est-ce qu'il peut faire. Joueur de la semaine dans la NCAA. Plusieurs agents appellent. Ils pensent le voir repêché en juin 2019 au premier tour. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.